Hey yo tout le monde, c'est Nexé sur l'épisode 7 de Final Fantasy XII. Et je suis juste devant le passage de Bahreïm que l'on a quitté la dernière fois. Vous voyez, on a tout fait s'écrouler. Il y aurait une possibilité pour y revenir plus tard, mais on verra ça dans le jeu. Il faut faire une petite quête secondaire pour venir. Et il fallait qu'on passe donc par le désert S de Dalmasca. Pourquoi ma carte elle apparaît plus? C'est pas grave. Donc il fallait qu'on passe donc dans ce désert pour remonter jusqu'à la cité royale de Rabanastre. Et alors oui, avant tout, je remercie du conseil qui m'a été donné, qu'il fallait bien que je vole les ennemis, donc j'ai rajouté un gambit pour voler, histoire de me faire un peu d'argent sur le passage, et on va en profiter pour attaquer le loup, monsieur le loup là, allez. Hop, si j'ai le temps, voilà. On va prendre ce trésor, une potion, hop. Il y a Van aussi qui va bientôt monter de niveau, j'y pensais plus, mais regardez-moi ça, 32. Ah oui, on gagne rien en fait contre eux, c'est ça. Ça sert à rien que je vous tape en fait, c'est ça. Ok. Bon, par contre, j'ai mis voler, c'est intéressant, mais les ennemis sont trop faibles en fait, pour que ça soit véritablement d'une grande utilité. Donc bon. Ça servira pour les ennemis un peu plus tard. Là, pour l'instant, je chope les ennemis... On va pas non plus s'arrêter à toutes les deux secondes, uniquement pour les combattre. Là, je combats uniquement ceux qui sont sur le chemin. Hop. En plus, ça me permet de récupérer un petit peu de butin. Ok, on peut un peu plus de vie, on va attaquer l'autre cocatrice. La petite coquette. Voilà. Alors, et aujourd'hui, que va-t-on faire? Alors, aujourd'hui, on va faire du shopping. Eh ouais. Ouais. C'est pour ça que en fait j'hésite un peu. Soit je vais vite pour retourner à Rabanastre, soit je prends mon temps. Parce que le but là qu'on va arriver à Rabanastre, c'est d'aller faire quelques petits contrats que j'avais laissés en lice à bah justement à la mer de sable. Et depuis le temps qu'on n'y a pas été, on a quand même du boulot. Donc là, ok, là il y a tous les loups en groupe. On va éliminer tout ça. Hop. Ok, Balsir a quand même réussi à voler quelque chose. Et, mais, ah oui, il a encore revolé même. Hop, ça va être plus pratique si je laisse faire lui. Notamment parce que pour l'instant il est équipé d'un objet qui fait qu'il ne peut pas utiliser de magie. Donc ça sera un peu débile de ne pas lui mettre. Hop. Alors par contre, la sortie, je sais plus du tout par où elle est. Je crois qu'il faut que j'aille à droite. On va éliminer les deux loups qui traînent là. Oh, gang de loups! Oh, vas-y, se mettant en gang. Allez, donne-moi ça. Bon, en tout cas, ça me donne quand même quelques points de permis, ce qui est pas trop mal. Ça servira quand même notamment pour Fran. D'ailleurs, elle doit bientôt y être, je pense. Ouh, niveau suivant. Si je regarde les permis, on est à 32 et 56, ouais, donc Fran elle peut prendre le sien, ça, et hop là, voilà. Toi t'as passé, toi il te faut 50 et toi il te faut 50 aussi je crois, ouais c'est ça. Donc pour l'instant, eux, on s'en fiche un petit peu. Voilà, comme ça on a deux personnages qu'on a mis, de la même manière que Van pouvait utiliser Vortex, Fran a désormais accès à Avalanche de coups. Une cinématique ici? Non. Non. Est-ce qu'il y avait un vendeur dans le désert est? Je crois pas qu'on ait encore un vendeur. Ouais. Nous voyons aussi Dragon Blue Voyageur. Je lis en même temps. Ouais, non, t'as rien d'intéressant. Par contre, il y a un trésor là-bas. On va aller le ramasser. Une potion, c'est toujours ça. Avec le nombre, le nombre que j'ai dépensé dans... Dans le passage de Bahreïm, je vais pas m'en plaindre. Normalement, on va retomber dans le désert où on avait combattu le Texta. Ou... non, pas du tout. Pas du tout. Le désert où on a combattu la Tomate Égarée. Tomate Égarée ou le Texta? Je crois que non, je crois que c'était bien... Ouais, c'est la zone de la Tomate Égarée. Autant pour moi. C'est moi qui me suis trompé. D'ailleurs, le loup, là, il a rien fait, mais lui, il va y passer. Allez.
Hop là. On va repasser directement. Oui, on va pas attendre plus que ça, on va retourner en ville. Sachant qu'en ville, on va avoir 2-3 trucs à faire. Puisqu'ils vont tous se barrer chacun de leur côté. Et qu'il va falloir qu'on aille tous les chercher. Mais j'ai combien d'argent? Ouais, ça va, j'ai un peu d'argent quand même. Allez, on est de retour à Rabanastre. On aura fait du chemin pour revenir. Thank you. I'd avoid crowds if I were you. In this town, you're still a traitor, you know. The resistance will surely find me soon. Fate's will, we meet again. I would pay my respects to your brother. You're a fugitive now, too. Stay low for a while. What about the stone? Do as you like. That stone's ill-favored. We feel regret. We sought that stone and found ourselves only worry. You offering it? It's mine. Then why'd you ask? Our regards to your girl. We stay in Rabanastre a while. What do you think? Can I trust Bosch? I gotta get rid of this thing. But maybe I should show it to Pinello first, so she knows I got something. She'd be at Miguel's place this time of day. Bastien et Fran quittent le groupe, et Bash aussi est parti en même temps, hein, à vrai dire. Ouf, ils sont tous barrés. Alors, là, on a un... qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà? Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, on va aller en ville. D'ailleurs, je peux prendre tout à fait le... Faut que je te parle à toi. Le télécoporteur à votre service et votre en télécoportation, nous aurions qui le souhaite à différents points de Rabanastre en un clin d'œil. Nous avons interrompu ce service pendant le parade, mais nous sommes de retour. C'est gratuit, alors pourquoi se priver? Ouais. Je veux aller... à la taverne. On va aller faire quelques achats. Voilà, parfait. Donc la taverne est juste là, mais nous on va par là-bas. Donc les magies, on va voir ça après, parce que même si c'est intéressant, j'ai d'autres choses à aller voir avant. Notamment, je veux aller au magasin, je veux aller à l'armurerie, je veux des armes. Parce que les miennes commencent à être un petit peu dépassées. Allez hop. Allez, montre-moi quelque chose. Dis-moi que t'as des trucs bien. Mais d'abord, oui, non, t'es en train de me dire que je suis un fugitif, mais que tu m'as confondu. D'abord, on a plein de trucs à vendre. Allez, hop, on vend ça. On vend ça. Waouh, ça rapporte beaucoup. Des pierres d'eau. Des pierres de terre. Hop. Cet argent qui monte. Oh. Il va me proposer une affaire. La liste des affaires. Alors, pierre de queue de phénix. Un lot de 2 queues de phénix. Vas-y, je prends. Les affaires, je les prends toutes, de toute façon. Ah, je voulais pas quitter. Allez. Je vais vendre aussi autre chose. Je vais vendre les blocs de rouille parce que j'en ai marre. Ça se vend pas cher du tout, mais ça me sert à rien. Et alors, est-ce que tu as ce que je veux? Oui! Oui! Pique! Oh, mon dieu, enfin! Allez, une pique. Ça, je prends. Oh, c'est cher. Procédé d'équipement, ouais. Voilà. Je vais d'ailleurs te vendre mon arme. Ou la garder pour Bash. Ouais, ça, je vends, par contre. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Ouais, mais j'aurais dû regarder, quoi. Ça fait assassine, mais plus tard, Capella. Je sais même plus de quoi il était équipé, pour vous dire. Bah écoutez, pour eux, j'irai acheter ça quand je les aurai récupérés, hein. Parce que vous doutez qu'on va les récupérer un peu plus tard. Mais avant de repartir, on va quand même faire un tour au magasin de magie, parce que les magies, j'ai pas besoin de savoir de quoi ils sont équipés, car il me les faut simplement toutes. Ah oui, il faut que j'aille au magasin de Gambit aussi. Et puis on va aller faire un tour
Avec le Vanga aussi, en passant. Ouais, on va faire plein de trucs. Aujourd'hui, on fait pas mal, on se pose tranquillement. Et on va faire... Aujourd'hui, on va faire un peu de secondaire. Allez, donne-moi ta dédagie pour moi. Qu'est-ce que t'as? T'en as... 1, 2... T'en as 5. Ok. Inertie, inaction... Du poison, une barrière et... Ténèbres. Parfait. Wow, petite caméra. On passe ici. On va au magasin de Gambit. Le magasin de Gambit qui se trouve juste de l'autre côté. Ici. Alors, normalement t'as pas mal de trucs à me vendre, puis les Gambit c'est pas très cher je crois. Voilà. Ah mais non, toi tu vends les techniques. Rends des PM au personnage ou les réduis à zéro. Ouais non mais là c'est trop cher là, excuse-moi mais oui mais... Non, attends, tu vends que des techniques, je vérifie quand même hein, avant de partir faire n'importe quoi. Ouais, tu vends que des techniques. Hein. Ouais non mais 1700 pour le coup c'est trop cher. Ce qui me reste déjà pas beaucoup d'argent. Et les Gambit pour l'instant on va laisser ça de côté, on verra ça plus tard. Alors, deuxièmement, on va aller au-dessus, je crois. Oui, c'est ça. Il faut que j'aille au quartier résidentiel. Le quartier résidentiel, c'est au-dessus. Et que je parle au Vanga qui garde l'entrée. Vanga qui garde l'entrée, c'est où? Ça, c'est le magasin de Gambit, ça? Ouais. Alors... Laissez-moi voir la carte, vite fait. C'est de l'autre côté. Oui, je sais, les magasins de Gambit, j'y suis pas allé. J'irai quand j'aurai récupéré un tout petit peu d'argent, parce que là, c'est un peu la dèche. Oh, c'est joli vu d'ici. Je me souvenais pas. Et on va aller parler au Vanga qui est de l'autre côté. Voilà, je fais vite fait tous les petits trucs pour tout mettre en place et on va attaquer ensuite. Là, c'est, on se lance un peu. Voilà, il faut que je parle à lui. Ah, je vois que tu as ton dossier du clan. Eh ben, pourquoi tu vas se planter là? Entre, bon sang. En fait, t'envisages de me dire rien, tu es nouveau, non? Là, écoute bien ce que diront les gens à l'intérieur. Je veux, oui. Bien. Alors, là, il y a plein de monde, et bien entendu, nous ont montré à qui il fallait aller parler. Monsieur Montblanc. Coupopo, ton visage m'est inconnu, tu es chasseur? Bienvenue dans le hall de notre clan, je m'appelle Montblanc, fondateur du clan Centurio. Je suis ravi de faire ta connaissance, Coupopo. Les épreuves d'entrée dans le clan sont très dures, commençons les tiennes tout de suite. C'est bon, tu es accepté. Les mocs se décident vite. Hop là, je suis maintenant un membre du club. Ici, dans le hall du clan, tu trouveras des contrats particulièrement urgents et délicats que tu ne verras affichés nulle part ailleurs. Bon, je m'occupe de remplir les papiers qui homologueront ton adhésion, j'aurai fini en moins de deux. Coupopo, j'ai fait oublier. Maintenant que tu es membre du clan, tu as accès à notre magasin privé, du marché de Moussoul. Vas-y, à l'occasion. Allez, bonne chasse. Voilà, donc le magasin privé, on va appeler tout de suite, c'est juste un magasin qui propose parfois des... En fait, comment dire? C'est utile, mais à la fin du jeu. C'est en fonction de certaines affaires de revente, ça permet d'obtenir des bonnes armes. Mais pour l'instant, on va absolument rien y gagner. Alors, il faut que je retourne, donc... Là, on va tout... Maintenant que j'ai fait ça, on peut faire une toute petite partie d'aventure. On va aller chez Miguelo, le fouetteur d'enfants, qui nous a manqué. Les coups de fouet nous ont manqué. Il est temps qu'on aille se reprendre des coups sur l'arrière-train. Bon, d'accord. Hein. On va faire comme si je n'avais rien dit. Hein, ça vous va? Vous n'avez jamais rien entendu. Vous n'étiez pas là. Allez! En route. Donc le magasin de Miguelo, il est un tout petit peu plus bas. Et après avoir fait ça, on va aller récupérer les personnages et on va faire du contrat. J'ai pas été au magasin d'armurerie, hein, je sais, enfin là, au magasin d'armure. Alors Miguelo. Le bazar de Miguelo. Le bazar de Miguelo, c'est le seul magasin qui va toujours, mais ils vend jamais rien. Vaughn, is it really you? I heard you got took off to Nalbina. The Imperials will need more than a dungeon to stop me.
You broke out of a dungeon? Whoa! Hey, try and keep it down, would you? Pinello isn't around, is she? Out on a delivery, maybe? Nope, haven't seen her all day. Not like her to up and skip out on work like that. Miguelo's not here either. He went running off somewhere a little while ago. So much for my big welcome. I guess everybody's busy. I got my hands full watching the shop, and old Dallin had something for me to do, but I can't get away. Old Dallin, huh? Tell you what, I'll go see him for you. Really? Well, nothing better to do. Ok, ah bah si, il vend des choses. Tu vends quoi? Qu'est-ce que tu vends? Des flèches. Tu vends des flèches. On ne doit pas faire beaucoup de profit, hein. Ça doit être limite, quand même. Allez, donc direction la base ville. Pour retourner chez Dallan, le vieux. Donc on n'a pas eu notre fouetteur d'enfant, mais on va aller retourner chez l'esclavagiste. Alors, la base ville, l'entrée de la base ville, elle est où? Elle est juste là-bas. Hop. Comme je vous dis, je garde un peu d'argent pour après, parce que eux, ils ont peut-être besoin... Non, j'ai gardé l'épée longue pour Bash, hein, comme je vous ai dit. Ça lui servira quand même. Oh là là, je viens d'avouer que Bash était un personnage jouable. On s'y attendait tellement pas. Allez, hop, on descend chez Dallan. Qui a besoin donc... En gros, Dallan veut qu'on fasse une course. Il veut qu'on aille, je sais pas, qu'on fasse une livraison, je suppose. Hop, 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 hop. Je m'arrête pas beaucoup, moi, dans la base ville. C'est pas comme si je faisais des visites ou quoi que ce soit, mais... Bon, là, on a toujours le coffre qu'il faut pas toucher. Pas toucher au trésor. Là, peut-être qu'on saura bientôt à quoi ça sert. Non, je rigole, c'est pas tout de suite, hein. Allez, parlons à Dallan. Alors. Well, well, look who we have here. Heard you were sent off to Nalpina. And I got out of there as fast as I could. But it was all worth it, Dallan. Here, look at this. My, 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 quite a treasure you've got there. Well, you know, I couldn't have done it without your help. So, there is more to this gutter churl than first meets the eye. Vaughn, I've an errand, a simple favor to beg of you. I was going to ask that kites to go, but I should think that you ought to do. No. No, I think you're just the one. There's a fellow by the name of Azalas, and I need you to bring this sword to him. That's a sword of the old order. Speak my name when you arrive. That should be enough to get you in to see him. I've made a note on your map showing you where he can be found. Mind you, you are to deliver the sword to him personally. I will. Hey, Dallan. Do you think I could get you to do something for me? I need you to find out where Pinello is. I wanted to show her what I got from the palace, but I haven't been able to find her anywhere. Can you let me know if you hear anything? You can just leave that to me. Thanks, Dallan. And so it is done, but will it be enough to remind him of what the Order once meant? Vous gagnez une épée d'Almascan. Et on s'en va de chez Dallan. Bon, allez-y, hop. C'est sympa chez toi, mais on s'en va. Donc il faut qu'on ait livré une épée à un certain Azelas. Si vous avez bien suivi, vous savez exactement de qui il s'agit, vu qu'on l'a rencontré dans l'épisode 1. Par contre, il faut que j'aille où exactement? Je sais que c'est dans la base ville, mais... D'accord. C'est tout simple. On va juste passer de l'autre côté, on va prendre le chemin opposé. Hop, et remonter directement par là. Et si vous vous souvenez de qui est Azelas, vous savez très bien qui on va retrouver avec lui. Bon, tiens, bah lui je sais qu'on peut le prendre. Allez hop, voilà, un antidote. C'est par là, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, on va par là. Normalement, il va y avoir un gars qui est ici et il faut qu'on lui parle. J'ai quelque chose à donner à un homme, un certain Azelas, il est ici, non? Et qui t'a dit ça? Dallan, il m'a demandé de lui remettre mon colis en main propre. Il y a des choses que Dallan ne sait pas. Il y a des oreilles dans tous les murs ou quoi?
Bon allez, entre. Mais ne parle jamais à qui que ce soit de ce que tu vas voir et entendre ici, compris? Il y a plein de cinématiques dans cet épisode secondaire. Hein. Then what do you make of Andor's proclamation? Are you suggesting they fooled even the Marquis? What if a judge killed the king, not the captain? That would explain everything, wouldn't it? In that case, the captain would be brother to a judge. How are we to trust such a man? Huh? Now there is the Bosch that I remember. Then will you fight again at my side? His word alone convinces me of nothing. I'd take his word over that of a mouthpiece Marquis. Then you name Rex liar with him. My brother was no liar! Just the opposite. Rex was the witness they needed. They had to make it appear as if I killed the king. Rex bears no blame. The fates have willed it. So this is Rex's brother. Your words may convince a child such as this, but they weigh far too lightly on the scales for my taste. Our paths will remain separate. Do you not think Amalia worth saving? I hold men's lives in my hands. I must see foes in every shadow. The night we moved against Vayne, he knew. I will not chance such disadvantage again. I must treat you as I would Andor, as I would treat any abettor of the Empire. Then what will you do? Hold me here in chains? Some things never change, do they? Listen to me, Bosch. Your cage may have no bars, but it is a cage. The eyes of the Resistance watch unblinking. Let them watch. I know something of cages. Right. Amalia's in the Resistance. Then you know her? Sorta. We met just before we got sent to Nalbina. I've known nicer people. Our paths keep crossing, yours and mine. It's more than coincidence. It's annoying. I'm sorry. Allow me one last annoyance, a favor to ask. I want you to take me to Balthier. Even caged birds need wings. This makes us even. Even? For Nalbina. We couldn't have done it without you. Et on retrouve Bash. Voilà. Donc vous voyez que Van commence à se poser plus de questions et même à pardonner. Ah oui, mais maintenant c'est aussi un de nos personnages jouables. Donc, équipement, tu as un sabre de mithril et c'est mieux que ce que j'ai à te proposer. Bah écoute, tu vas garder ça. Est-ce que j'ai un bouclier? Non. Est-ce que j'ai un truc de mieux ici? Non. Là, non. Et surtout, je suis en train de penser... Bug tourmaline, immunité au poison. Ouais, bah regarde ça. Et surtout, ça arrêtait juste une seconde parce que monsieur a 263 points. Et toi, tu... Alors lui, par contre, je vais le faire jouer aux épées... Alors il pourrait jouer à la hache. Ce qui serait très sympa. Mais je trouve que l'épée, c'est quand même vachement plus prestige. Donc hop, on va lui donner quelques points dans les épées. Cherchons les impulsions comme d'habitude. Là, il y en a un là. Est-ce que je l'ai? Donc 40, 70, 120. 120 et 60, 180. Et je peux arriver jusqu'à ça, mais je ne peux pas le prendre. Mais il y en a un là. Et je peux l'avoir. Je peux l'avoir, ça. Et ça, ça m'intéresse. Donc tu vas me prendre celui-là. Les épées, au pire, t'es déjà très bien. Et ça, c'est une impulsion. Ouais, et bah tu vas aller me chercher celui-là aussi. Ouais, là, pour l'instant, c'est un conseil que je vous donne si vous commencez. Mais si vous le pouvez, dirigez-vous vers les impulsions. Regardez-moi. En plus, je peux voir... Ouais, les épées à deux mains, c'est intéressant aussi. Bon, c'est pas pour tout de suite, c'est clair. Je vais pas te dépenser plus de points. Toi, non plus. Toi, il te faut ça, là-haut. Bien. Il faut qu'on aille retrouver Balsir et Fran. Et je sais très bien où ils se trouvent. Donc, on va y aller sans plus attendre. Je sens qu'en fait, pour aujourd'hui, ça va juste être un épisode de préparation. Parce que je voulais faire des contrats, mais on va en avoir trop. Attendez, parce que je vais où, là? Je me perds.
Non, c'est bien, c'est par là. On va peut-être avoir le temps d'en faire un, mais pas plus, quoi. C'est ça, ça me dérange un peu. Parce que là, ce que j'essaie de faire, en gros, c'est récupérer, vous voyez, tous mes personnages avant d'aller faire les contrats. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple, et puis c'est mieux s'ils peuvent tous prendre de l'expérience et des points de permis. Si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous connaissez bien Balsir, il est par là parce que je suis ressorti pas du tout où je pensais. Si vous connaissez bien Balsir, vous pouvez penser qu'il est un peu porté sur la bouteille, et s'il est un peu porté sur la bouteille, il est parti au bar. A lot of kids lost their parents in the war. Mine had already died before that. The plague took them both. I'm sorry. I didn't know. It's okay. It's been 5 years now. After that, I lived with my friend Pinello and her family. Then the war came. I am sorry. You don't have to keep apologizing. Really, it's all right. I know it wasn't your fault. I see that now. You didn't kill my brother. It was the Empire. My brother trusted you. And he was right. Bah voilà, ça y est, ils sont potes tous les deux. Non mais je vous jure, ce qu'il faut pas attendre pour qu'ils soient amis, hein. Tout de suite, oh, il paraît que t'as tué mon frère, tout de suite ça devient une raison pour qu'ils soient en mauvais termes. Franchement, je trouve ça un peu excessif. Allez, allons parler à Balsir. Oh, et Miguelo le fouetteur d'enfants. Misunderstanding. What I am understanding is it's Pinello because of you. What? What about Pinello? Oh, Vaughn. They've taken Pinello. And there was a note for this Balthier. Come to the Museum of Mines, it said. It's Begamnon. He was in Albina. If anything were to happen to that sweet child, why, I've her parents' memory to consider. You're going to go to her aid, and that's that. That's what you Sky Pirates do, isn't it? I don't respond well to orders. You do know that the Imperial fleet is massing at Bujerba. Fine, then I'll go. You at least have an airship, don't you? Just get me there and I'll find Pinello myself. I'll join you. Huh? I have some business there as well. An audience with a Marquis, by chance? Balthier, just take us, and this is yours. The guards are toying with us. Make yourselves ready. We leave soon. Right. Et ben voilà, on a récupéré toute notre fine équipe. Le message de Begamnon faisait allusion aux mines de Lusu, à Bujerba. Nous partons sur le champ. Retrouve-moi l'aérogare, elle doit toujours être du côté de Porte Ouest, à moins qu'un séisme bouleverse la ville pendant notre absence. Plus vite, j'aimerais sauver ta copine en finir avec ce cauchemar aussi rapidement que possible. Oui, c'est ça. Tu crois que ça va aller vite? Alors les permis, normalement j'ai rien à faire pour vous, c'est ça. Par contre. Alors, en combattant, il va falloir que je fasse des choix. Et pour l'instant, je vais laisser Bash de côté parce qu'il a deux niveaux d'avance. Et on va juste vite fait passer Ah, j'aurais dû prendre le contrat tout de suite. Ouais, je vais faire juste demi-tour et récupérer le contrat. J'aurais dû le prendre tout de suite, j'y ai pas pensé. Je réfléchis de plus en plus au montage, à vous retirer tous les temps de chargement parce que c'est long, c'est long. Là, ça va vite, mais des fois, c'est long. Bon, bref, alors, on en a deux. Donc, on a le Pampa Fleuri, hop. Alors, voulez-vous cette annonce vous intéresse-t-elle? Oui. Faut que j'aille voir Dantro. Ouais, hop là. Et je peux prendre les deux, je crois. Ouais. Ok, je sais où ils sont pour l'instant les clients. Hop, et on va aller juste vite fait voir pour les équipements.
Pour l'instant, Balsir, je vais lui laisser sa... son truc de le Magilite, là. Il est toujours équipé du Magilite. Ouais. Il était équipé d'un Altaïr, donc j'aurais pu peut-être chercher autre chose. On va aller voir directement à l'armurerie. Je crois qu'il y avait un Capella, je crois que ça s'appelle. Alors. Alors, montre-moi ça. Alors, attendez juste une seconde, je reviens. J'en ai pour juste une seconde. Je suis désolé. Oh, j'avais oublié. Je croyais que j'avais remis le micro en marche, mais je disais donc. Oui, ça m'a complètement paumé. Désolé. En gros, j'étais en train d'expliquer que si j'achetais ça, c'est parce que simplement, je ne pouvais pas les équiper directement parce qu'il fallait choisir les. Bah, il faut choisir les flèches qui vont avec l'arc, il faut choisir les balles qui vont avec les fusils. Donc j'étais obligé d'arrêter les achats, de les rééquiper, de revenir pour les revendre. Et donc ça m'a un peu paumé. Donc là ça a été un peu n'importe quoi, excusez-moi du délire. Alors, regardons vite fait la carte. Ok, il faut que j'aille au-dessus. Maintenant que j'ai pu faire ça, on va s'attaquer. Je pense qu'on s'arrêtera après avoir fini les deux contrats. Donc l'épisode, je sais pas si l'épisode sera plus long, peut-être pas. Je pense pas non plus trop long. Hop. Alors, dis-moi ce qui se passe. Tu es venu pour l'annonce? Merci, je commence à croire que je l'avais affiché pour rien. Il n'y a pas de temps à perdre. Un enfant s'est enfermé dans cette maison parce qu'il a peur d'un fantôme qu'il jure avoir vu dans le quartier. Il m'a dit qu'il ne sortirait que si je l'éliminais. Je suis allé voir pour lui faire plaisir et devine quoi? Il existe vraiment. J'étais incapable de me débarrasser de lui, donc j'ai décidé de faire appel à un chasseur. Tu veux bien supprimer cette apparition? Oui. Dans les égouts de Garamsit. Ok. Donc les apparitions qui naissent, comme elle disait, des accidents qui peuvent se produire dans les souterrains. Alors, directement, il faut que j'aille à... Ouais, en gros, l'entrée était juste à côté, donc c'est hyper pratique. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. Parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Normalement, je peux plus passer à gauche, je crois. Si? Si, si, je peux. Ou alors, est-ce que c'est pas plus rapide par là? Je crois que c'est plus rapide en allant à droite. Ok. Donc voilà, maintenant regardez-moi cette arme, regardez-moi la taille de cette arme. La pique. Et je crois qu'il est juste derrière cette porte. Alors attendez, parce que c'est où là? Où es-tu? Ah ouais, est-ce qu'il faut que je revienne? Attendez, je vais regarder vite fait mon dossier du clan. Avant de faire n'importe quoi. Parce que de toute façon, ça va être dedans les listes des contrats. Donc là, j'ai accepté le contrat de l'apparition. Fais, toi. Donc, annonce... contrat accepté. Mila veut libérer un enfant qui s'enfermait dans une maison abandonnée par crainte des fantômes. L'apparition se trouve dans les égouts de Garamsit près de l'accès à la base ville. Ouais, je crois qu'il faut que je fasse un retour. Je crois qu'il est dans la zone de derrière, là. Je crois qu'il est dans cette zone-là. Mais qu'il arrive que si on traverse cette grille de ce sens-là... Je raconte peut-être n'importe quoi, mais... Voilà, il est là. Il est là. Allez, hop. Alors, on va pas l'approcher. Voilà. Ouh, il a beaucoup de vie, n'empêche. Voilà, parfait. Il lui a volé. Il a réussi à le voler. Ouais, non, mais si tu fais... D'accord, alors attendez, j'ai mal organisé mes gambits, moi. Oula, attendez, j'ai fait quoi, là? Voilà. Ouah, mais t'as beaucoup de vie. En plus, glace, c'est pas un truc que je peux retirer, ça.
Allez, est-ce que t'as une vulnérabilité? Bah oui, t'as une vulnérabilité à la lumière. Ouais, mais il m'a mis un glace sur les deux. Ok, ils sont tous en glace, c'est génial. Critique. Hop. T'as beaucoup de vie, beaucoup, beaucoup de vie. Et j'ai pas assez... Est-ce que ça a de la magie? Écoutez, allez, on balance, regardez-moi ça. Vous savez quoi? Regardez ce qu'on va faire. On va virer Balsir, on va balancer Bash. J'ai pas vu les... Et on va faire du mist. Vous êtes prêts? C'est parti! Et vous allez voir qu'on peut faire de l'enchaînement de mist, mais vraiment pendant longtemps. Donc je sais pas combien de temps là je vais réussir à le faire. Hop. Normalement après il faut que je fasse une charge de mist. Allez, 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 allez! Ah, pas eu de chance. C'est dommage. Et ouais, j'ai une fusion. Je pense qu'il va apprécier. Voilà, 4174. S'il te plaît. Merci. Apparition vaincue. Je vais aller dans la salle d'à côté pour me soigner au cristal. Parce que là, j'ai toujours le glas sur moi. Et ça ne m'arrange pas du tout. Et surtout, j'ai plus de magie. C'est donc encore pire. Le cristal, il est là. Voilà, retire-moi tout ça. Et on s'en va. Alors, je vais remettre Balsir. Voilà, je peux pas en avoir 4, hein, si vous demandez. Si j'essaie de mettre les 4, il va me dire, attention, vous ne pouvez avoir que 3 combattants sur le terrain. Ou un truc de ce genre-là. Bien, maintenant, direction le désert. Et on va aller s'occuper du Pampa fleuri. Et j'aurais fait à peu près tout ce que je voulais faire. J'aurais vérifié s'il y a d'autres contrats qui sont apparus. S'il y en a d'autres, on les fera au prochain épisode. Sinon, je vous retrouverai directement devant la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, il faut juste qu'on aille dans le désert est. Non, d'abord, oui. Peut-être que j'aille rendre la mission à la dame qui m'a demandé. Alors, attendez que je me... Je suis perdu. Je suis où? Je suis perdu. D'accord, non, c'est bien au-dessus. Voilà, c'est par là, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin, ne vous en faites pas. Alors, par là, et la dame, elle est juste là. Eh, madame, j'ai tué l'apparition. Trop facile. Tu as réussi, tu as vaincu l'apparition. Merci, merci, merci. Le fantôme est parti. Parti pour de bon, ce jeune homme l'a chassé pour nous. Oh, tu es enfin sorti, mon petit Dig. Voilà le papa. Ce monsieur a chassé le fantôme, je suis désolé, tu as dû faire du souci pour moi. Je n'avais pas le cœur à rire tant que mon fils est enfermé dans une maison abandonnée, mais je vais vite retrouver mon naturel maintenant. C'est vrai qu'il a l'air d'aller mieux, c'est grâce à toi. Oh là, c'était la femme qui parlait. Tiens, voilà la récompense au travail, c'est de ma part et de celle du père de Dig. Oh, un éther, ça c'est gentil. C'est très généreux de ta part. Je peux aller là maintenant. Je sais pas, on va la visiter vite fait. Je sais pas s'il y a quelque chose à voir. Il y a le... Bah, t'es revenu là, toi. Au début, je me suis caché ici parce que j'avais peur du fantôme. Mais en fait, à force de venir, je me suis aimé cet endroit, c'est douillé. La maison appartient à mon père et il l'a loué avant, mais je crois qu'il ne va pas recommencer. Le dernier locataire a laissé une lettre sur la table et j'ai lu, mais je n'ai rien compris. Prends-la si tu veux. Oui, bah, je veux bien. Allez, où? Une lettre repose sur la table, voici ce qui est écrit dessus. Je sais que mes jours sont comptés, je regrette juste de ne pas pouvoir rendre l'objet qui m'a été confié et que j'ai gardé toutes ces années. Je l'ai scindé en 4 fragments afin qu'il ne tombe pas entre les mains du premier venu. Je vais néanmoins révéler l'emplacement de l'un de ces 4 fragments au cas où son propriétaire légitime voudrait le récupérer. Endiguez-le, puis les libérez-la à nouveau, est, sud-est, est, sud, ouest, sud-est, et je prie pour qu'il y repose en paix. Ouais, alors ça c'est pour beaucoup plus tard ça. Ça c'est vraiment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard là. J'avais oublié que c'était ici. Comme ça, au moins, je l'aurai en réserve. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est vraiment pour plus tard. Donc ça, je me souviens que lui, c'est pas grave. Allez, hop, un peu d'argent. 13, ça va pas m'avancer à grand-chose. Mais on va pas se plaindre non plus. Donc dirigeons-nous directement dehors. On va prendre le télécoporteur pour se diriger sur le désert est. C'est ça.
puisque si vous avez très bon souvenir, Dantro l'a croisé au début de l'épisode. Le télécoporteur, c'est dans la zone d'à côté. Bon, je suis d'accord. Alors, j'allais dire qu'on n'aura pas fait beaucoup d'histoires durant cet épisode, mais il faut avouer qu'on aura quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinématiques, hein. Le télécoporteur, il est là. Allez, direction le désert est. Télécoportation. Ah, je m'en veux encore du micro que j'ai oublié de remettre tout à l'heure. Bon, ça va, c'était pas pendant que je faisais un truc incroyable, puisque j'étais juste en train de faire des achats, mais... Ah, je m'en veux un petit peu. Je pensais avoir remis, justement, et finalement, bah... oublié. C'est les aléas qu'on fait une ellipse pour régler un petit souci. Voilà ce qui arrive. Bon, je pense qu'il y a des chances que l'épisode soit plus long. Hein. Je pense qu'on est bien parti pour du 45 minutes. Hop. Est-ce que j'ai récupéré un peu de... permis 38, 45, 12, 43... non, toi, il te faut 50, toi. Toi, il te faut 2 fois 50. Ouais. Van, il lui faut encore 12. Et Bash, il te faut encore 7. Pour te rapprocher de là, je regarde un peu. Il... 225. Ok. Là, il y en a une là. Et je regarde juste un vite fait. Ok, bah je pense qu'on va les récupérer avec Bash. On va les récupérer celle-là. Après. Alors, si vous vous posez la question, chaque personnage peut avoir 3 impulsions, pas plus. Et donc, à chaque impulsion récupérée, c'est un niveau supplémentaire. Alors, le village de Dantro, il est un peu plus bas. J'ai pas été m'équiper d'autre chose. Là, ça va, on a de meilleurs équipements au niveau des armes. Dès qu'on aura un peu plus d'argent, on pourra peut-être faire en sorte d'avoir un meilleur équipement au niveau des armures. Ce qui serait pas mal aussi. Allez, direction. Donc, Dantro est ici. Hop là. Dantro, il est là. Attendez. Alors vous allez chasser le pamplefleuré pour moi. Je vois un truc qui me perturbe là. Parfait, moment, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous aider? Ah oui, vous avez sûrement aperçu du pamplefleuré ici. Vous savez, ces monstres qui ressemblent à des cactus. Tenez, en voilà deux. La plupart d'entre eux ne sont pas agressifs. La plupart seulement. De temps en temps, un pampa d'un genre différent naît, on le reconnaît à la fleur qui pousse sur sa tête, et je vous assure, c'est une calamité. Un tel pampa se révèle plus intelligent et plus violent que les autres, au point qu'il n'hésite pas à attaquer ce campement. Ceci dit, il n'ose pas attaquer tant que je me monte la garde en général. Tenez, regardez, le voilà. Le pampa fleuri est celui de devant, quel culot, il se moque de nous. Ouais, je l'avais reconnu, le pampa fleuri, t'en fais pas. Il s'est amusé à mettre des épines partout dans les bagages de ceci. Je le chasserai bien moi-même, mais je ne peux pas quitter mon poste. J'ai demandé à un marchand itinérant d'afficher mon annonce, et c'est là que vous entrez en jeu. Le pampa fleuri rôde habituellement dans le dédale des pitons rocheux. Rendez-nous tout service en nous débarrassant de lui. Ouais. La chasse commence. Mais attendez, parce que je vois un truc qui me perturbe. Une fois que vous l'aurez terrassé, pensez à récupérer sa fleur. Les apothicaires s'en servent pour fabriquer des ongans. Regardez, il y a un truc qui brille là. C'est quoi? C'est de l'argent, d'accord. Je pensais que ça allait être un truc genre hyper important, qui traîne ou un truc comme ça. Mais alors, que dalle. C'est un truc, c'était juste un tout petit peu d'argent. Allez hop. Bon, cette zone, on l'a déjà visitée tout à l'heure, et il faut qu'on se dirige vers le Pampa Fleuri. Où est-il? Alors, ok, donc pour l'instant, on le voit pas. Il faut juste qu'on traverse la zone jusqu'à tomber sur lui. Et je crois qu'il apparaît si on attaque... Enfin, il vient plus vers nous si on attaque des pampas, justement. Boum! Les pampas, ils aiment pas qu'on s'attaque à leurs semblables. Donc, si on croise des pampas, on va pas hésiter à leur maraver la tête. Boum! Ah, j'adore jouer à la lance, mon dieu! C'est un plaisir. D'accord, t'as pas été KO. Alors, est-ce que je peux pas modifier ce gambit pour voler? J'ai pas ennemi visant le personnage. Ouais, non, en fait, il me faudrait d'autres gambits pour ça. Par là, il y a un loup.
Bon, ça m'intéresse pas trop. On va aller vers le bas juste après. Voilà, heureusement, on a nos nouveaux équipements qui font beaucoup de dégâts. Alors, allons voir par ici. Donc, il peut se trouver un peu n'importe où, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment tourner jusqu'à avoir la chance de tomber dessus. Au bout d'un moment, on le trouvera bien. Allons voir par là. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a un loup. Le loup Susan ne m'intéresse pas non plus. Mais il y a l'air d'avoir du monde, donc on y va. Alors... Pampa, où es-tu le Pampa? Il doit bien être quelque part. Je sais bien qu'il est dans cette zone, donc je vais le chercher. Où es-tu? Est-ce que je peux te voir sur la carte? Non, toujours pas. Toujours pas, on va dire qu'il est un peu plus loin alors. Ici, il y a une cocatrice, un loup. Hop, on va aller récupérer le trésor qui est juste au fond. Je commence à fatiguer là au niveau de la voix, là ça on est. Je suis presque à 50 minutes. Allez. Et donc. Voilà pour toi. Alors vous de là-bas. Est-ce que vous auriez vu un Pampa quelque part? Hop là. Non. Essayons par le haut. Il y a peut-être quelque chose. Alors, déjà, il y a un ennemi, c'est un loup. D'accord, ils ne sont pas ici. Bon, ça valait toujours la peine de vérifier. Alors, où es-tu le Pampa? Je crois bien, si on tue des Pampas, en fait, ça les attire. Ça attire le Pampa fleuri. Je dis peut-être n'importe quoi, mais je crois bien qu'il faut faire comme ça à certains moments. Il est là! Il est là. Alors, attendez, on va se charger. Là, on est bien là. Et bam! Alors on va attaquer l'autre Pampa là à côté, là l'autre qui est venu qui vient m'énerver. Allez, toi tu t'en vas. Non mais reviens. Allez. Ça lâche. Ah tu peux plus rien faire là. 1000 épines. Non 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 non. Oh la vache il est. Ah ça m'aurait mis KO ça. Pampa fleuri, vaincu! Parfait! Alors, on va aller récupérer la récompense. Où se trouve la sortie déjà? Ça peut être pas mal à savoir. Ouah, je suis loin! Bon, c'est par là déjà. Ça, c'est sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais redonner la. Enfin, je vais aller voir Dantro pour qu'il me donne la récompense. Et ensuite, on va faire les permis. Et on va se quitter! Alors moi comme je... Stop. Pourquoi c'est marqué inconnu? Je suis pas au bon endroit. Je n'ai pas envie de découvrir des zones inconnues pour le moment. Faisons pas n'importe quoi. Oh là, faut que j'en fasse tout le tour. T'es sérieux? Bon bah écoutez, on est parti hein. Allez hop. Bon ça je m'y attendais que cet épisode soit plus long. Donc c'est pas très grave. Il sera sûrement là, il aura sûrement un peu de retard hein, cet épisode. Mais qu'on est quel jour là? Je tourne, on est vendredi. Donc il y en a un qui sort demain. Dimanche, pas de vidéo. Donc lundi, normalement c'est l'épisode de lundi. Ah non, de mardi. Oui, de mardi, pardon. Bref, en gros, j'espère que j'aurai... Oui, non, normalement, vous devriez l'avoir à temps. Alors, Dantro, vous avez une fleur de cactus? Alors vous avez réussi. Ah, que j'aurais aimé être là pour vous remettre cette sale bête à sa place. Tenez, voilà votre prime. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pu réunir. Merci pour le coup de main, en tout cas. Bah, c'est déjà pas mal, écoute. Hein. Alors, les permis. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Alors, ça. Boum. Alors, et notre prochaine cible, elle est là. Juste au-dessus, là. Donc ici, notre prochaine cible ici, donc on a beaucoup de points à voir. Ok, ensuite Balser, toi tu peux récupérer le ça, ce qui donnera plus 100 PV, mais t'as pas assez pour ta première impulsion. Mais ça viendra. Toi t'as pas assez. Mais si. J'ai pas regardé où était ta seconde impulsion.
Elle est où? Il y en a une là, et il devait y en avoir une troisième dans le coin, non? Non, il n'y en a pas? Normalement, c'est sur les coins. Parce qu'il y en a une là, oui, mais... Bah écoutez, je sais pas. Pour l'instant, on va te redonner des magies. Est-ce que t'as un truc? Tiens, là, il y a de... Là, ça, poison et barrière. Allez, hop. Ça, c'est bien, ça. Bash. En bas, quoi. Parce que t'avais une impulsion qui est juste en dessous. Donc tiens, tu vas prendre ça, et le prochain, ça sera... Voilà, parfaitement. Allez, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui était plus long que d'habitude, et dans lequel j'ai fait un petit n'importe quoi avec le micro tout à l'heure. Mais en tout cas, là, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très rapidement pour la suite de Final Fantasy XII. Allez, bye tout le monde.